Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes rassemblés en ce lundi de l'octave de Pâques. Un lundi enraciné dans cette célébration de la mère éveillée à laquelle nous avons participé. Aussi, pour entrer pleinement dans cette célébration eucharistique, en nous reconnaissant pécheurs, rappelons-nous notre baptême. Et en recevant l'aspersion d'eau, faisant le signe de la croix, exprimant ainsi la victoire de Christ dans nos ténèbres. La victoire de Christ dans chacune de nos vies, préparant ainsi nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et par la célébration de l'Eucharistie nous rende digne de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, tu fais grandir sans cesse ton Église en lui donnant de nouveaux enfants. Accorde-leur de te servir et d'être fidèles par toute leur vie au sacrement qu'ils ont reçu dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Seigneur, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, leva la voix et leur dit : «
cette déclaration, vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a crédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle le psaume de David. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même repose dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frère, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez vous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas connu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es bon Dieu. Seigneur, on partage ma troupe, de toi dépend mon sort. Alléluia, alléluia, alléluia.
Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles courut porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : Je vous salue. Elles s'approchèrent, lui saisit les pieds et se prosterna devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville
annoncé au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette éducation s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, nous venons d'écouter à travers la première lecture, alors que nous sommes, dirais-je, au jour second de l'octave de Pâques, le discours de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, qui nous parle de l'action de l'Esprit Saint, oui, de la descente de l'Esprit Saint, car seul l'Esprit Saint est capable de nous introduire dans le mystère de la Pâque et nous faire ainsi discerner dans les événements advenus depuis le Vendredi Saint les signes de la présence du Royaume. La proclamation de Pierre est le modèle de l'interprétation de la résurrection que l'Église, en tout temps et en tout lieu, se donne de présenter à tous les hommes, à toutes les femmes de tous les temps, afin qu'ils aient la vie en abondance, en obtenant le don de la foi. Cette même liturgie de la parole nous donne dans la page d'Évangile entendu le témoignage des saintes femmes venues au tombeau après avoir entendu les paroles de l'ange qui a annoncé que Jésus était vivant et qu'il ne fallait pas le chercher parmi les morts. Elles ont la joie de le voir. Il est beau d'entendre et même mieux de vivre tel dans un film la délicatesse du Seigneur Jésus ressuscité, tel que nous rapporte l'évangéliste Matthieu.
Et voici que Jésus vient à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Dans la joie de cette rencontre, les femmes s'approchent, lui saisissent les pieds et se prosternent devant lui. Et le Christ ressuscité d'accueillir leur adoration et de les rassurer. Soyez sans crainte, soyez sans crainte. Puis, le Christ ressuscité les envoie. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Voici, frères et sœurs, une mission qui nous donne de comprendre qu'un témoin est celui qui a vu ou entendu une réalité, mais surtout se donne d'annoncer ce qu'il a vu. Il est tout de même important de révéler comme le complot, comme le conte Saint Matthieu, nous venons d'écouter, l'attitude des grands prêtres et des anciens qui commandent une procédure autre en mettant sur pied un complot pour affirmer un faux témoignage. Il donne aux soldats une forte somme d'argent en disant « Voici ce que vous avez à dire. » Vous direz ceci. Et ils savent que ce qu'ils disent est faux. Parce que les soldats ne peuvent pas affirmer que le corps a été enlevé, a été volé par ses disciples. Ils n'ont pas vu le vol. Et cette thèse, nous dit Matthieu, elle continue jusqu'à ce jour. Chers frères et sœurs, ne sommes-nous pas, nous aussi, souvent tentés, comme les soldats, de taire la vérité ou de nous laisser acheter un peu, comme Judas, afin de livrer à nouveau notre maître, qui est la vérité. Nous voyons bien que la nouvelle de la résurrection, elle est une nouvelle vraie. Elle repose sur le témoignage des saintes femmes, de ceux qui, comme Pierre, ont témoigné. Hier, en recevant la nouvelle de Marie-Madeleine, s'est donné avec Jean d'aller vite au tombeau. Et là, ils ont trouvé qu'elle, la femme, avait témoigné. Et Jésus est ressuscité. Oui, frères et sœurs, accueillons ce matin cette merveilleuse nouvelle qui doit susciter notre adhésion totale et personnelle. Le Christ est ressuscité. Et cela doit renouveler notre vie. Je ne comptais hier que la nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus, elle fixe le temps. Lorsque nous regardons notre monde, lorsque nous regardons notre calendrier, si nous disons 2023, c'est par rapport à la mort et à la résurrection de Jésus. Et si
Nous fixons le temps avant la mort et la résurrection de Jésus. C'est toujours lui comme notre curé en préparant le siège pascal nous a dit à lui le temps hier, aujourd'hui, l'alpha et l'oméga. Qu'avons-nous à faire? À nous laisser guider par l'Esprit du Seigneur afin qu'en tout lieu, en tout temps, nous puissions nous aussi, comme Pierre, affirmer qu'il est vivant. Il est vivant, tu l'as vu la première par le mari de Magdala, hors du tombeau debout dans la lumière. Il dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressuscité, nos témoins. Bien, chers frères et sœurs, veuillons nous lever dans cette joie de Pâques. Prions Dieu avec plus de ferveur. Dans sa bonté, il a exaucé les prières et supplications de son Fils bien-aimé, qu'il se penche aussi sur notre faiblesse. Ensemble, prions. Prions pour notre Église, afin qu'elle rayonne de la lumière de la résurrection de son époux, le Christ. Christ ressuscité, écoute-nous. Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour nos pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres et tous les consacrés. Qu'à l'exemple des femmes de Jérusalem, ils courent porter la bonne nouvelle au monde avec joie. Christ ressuscité, écoute-nous. Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour nos dirigeants politiques, afin que le choix de la vérité soit toujours celui qui l'emporte dans leurs décisions pour mener à bien les populations dont ils ont la charge. Christ ressuscité, écoute-nous. Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour ceux qui souffrent
et traverse des difficultés au quotidien. Qu'ils soient reconfortés de la présence du Seigneur dans leur vie à travers l'apostolat des frères qui expérimentent dans leur chair cette parole du psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Christ ressuscité, écoute-nous. Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour nos catéchumènes qui viennent de connaître l'eau et qui viennent de renaître de l'eau et de l'esprit. Qu'ils demeurent en tout temps et en tout lieu les témoins de la résurrection de notre Seigneur. Christ ressuscité, écoute-nous. Christ ressuscité, exauce-nous. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Prions pour notre communauté ici rassemblée. Que la résurrection de Jésus fasse fructifier en nous une vie nouvelle et que nous, témoins du royaume de Dieu, en tout temps et en tout lieu, Christ ressuscité, écoute-nous. Christ ressuscité, exauce-nous. De cette célébration eucharistique, nous prions pour le repos des âmes de nos amis indignes et les âmes du purgatoire, pour Saint-Benoît encore assis, pour Julien et Claire Oupomo Epiga, pour Jean-Lié Massala et tous les défunts de la famille, pour Albert Massa Kabinda, Rachel Goma Nyonga, Denise Lassini, tous les défunts du village Akalunanenga, du clan Agikaza et les âmes du purgatoire. Pour Robert José Mondo Nkomi, pour Marie-Véronique Boutamba, née de Mouni Mouiti, Pierre Boutamba, Yolande Souto, pour Françoise Kassikami Jama, pour Gabriel Poitier Chikaya, pour Jean-Marie Aïngon, Pierre Nguema Mbé, Maurice Mabiala, Adèle Issao, Marie-Emmanuelle et Joseph-Emmanuel Mabiala, pour Gisèle Apagissi, pour Gabriel Pambou Moudjamba, Manganga Boussougou, Raphaël Boussougou Pambou, Joseph Ndumbu Pambou, Olympe Manganga, pour Caroline Mandeli, pour Ida Karine Ebengaye, Olanga, et tous les naufragés des Saints Miracles, pour Jean Massima, Jacqueline Bapissi, Martine Lomba, pour Mère Teresa Calcutta, Mère Maria Imperatoria, Mère Esperanza, pour Adeline Dika, née Igwanga Biogé.
en intention particulière pour l'assistance et la protection de Dieu sur Ernest, Patricia, John, Julien, Merveille, Merlin, etc. Sur Rosalie, Grégoire, leurs enfants et petits-enfants, pour la croissance du petit Alexandre, pour l'assistance, la bénédiction et la protection de Dieu, sur les membres du Conseil pour les affaires économiques, par l'intercession de la Vierge Marie, pour la bénédiction et la protection de Dieu, sur Marie Victoire Mombo Mombo, Laure Baba, Judith Moussounda, Sandrine Mercedes, Messila Mbon, Caroline Osimo, Ida Rachel, Nadia Mezu, le couple Mouandoudi, Dominique Akaga Mba, Sophie Mbumba Mambou, pour une paroissienne qui demande aide, assistance et protection du Seigneur pour le bon développement de sa mission au Gabon, pour la guérison et la protection de Dieu sur Charlotte et tous les descendants de la famille de Georges et Carl, pour la guérison de l'âme et du corps de Zamboli, en action de grâce pour les bienfaits du Seigneur accordés à la Société Générale de Prestation Transit et tout son personnel, à Marina Massima Lomba, Réjeanne Mariska Massima Babissi, Chama Doriane Massima Ngawanchi, à Jacqueline Pierre, Ralph Mongo, Jean-Léon Massima Ossou, bénédiction et protection pour la guérison des rénés par l'intercession de Sainte Philomène, pour l'anniversaire de naissance de Thérèse Patience, qui remercie le Seigneur pour le don de la vie et demande bénédiction et protection. Pour l'anniversaire de naissance de Pascaline, qui remercie le Seigneur pour le don de la vie et demande bénédiction et protection. Prions aussi les uns pour les autres. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Notre communauté paroissiale s'agrandit avec les nouveaux baptisés. Elle va encore s'agrandir avec les baptisés très bientôt. Je voudrais que nous puissions prier tous ces moments qui se passionnent le transfert de la foi dans notre paroisse, qui comme ces saintes femmes sont allées au petit matin au tombeau, disant leur amour, leur foi et leur espérance en la résurrection, et qui ont été envoyées aux apôtres afin de porter la nouvelle à la résurrection, que dans notre paroisse, dans notre pays, dans notre humanité, les femmes s'engagent toujours au témoignage de la vérité en faveur de la vie. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute. Alléluia. Ô Seigneur, prions ensemble pour les travaux de notre paroisse. Dieu Tout-Puissant, Père des Miséricordes, toi qui as tout créé par ton Fils, toi qui l'as établi comme fondement immuable de ton royaume, nous te prions pour l'œuvre que nous entreprenons pour notre paroisse à la louange et à la gloire de ton nom. Bénis les efforts de nos cœurs et de nos mains.
sois bienfaisant pour nos bienfaiteurs et accorde à cette œuvre par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, le Saint-Pierre, notre Saint-Patron, la grâce de parvenir à son heureux achèvement. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Dieu, tu sais que la vie des hommes, aujourd'hui, est en proie à toutes sortes de souffrances. Exauce les désirs de ceux et celles qui te supplient. Accueille les souhaits de ceux et celles qui croient en toi. Par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice soit aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille avec bonté, le temps priant, Seigneur, les présents de ton peuple. Il a été renouvelé en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-lui de parvenir au bonheur de son temps. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon. De te louer, et Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier aujourd'hui, où le prix de notre part a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita dans la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui, que tu es élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, notre livrement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Amen.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts pour qui nous offrons ce sacrifice. Accueille-les avec les âmes du purgatoire dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur nos néophytes, sur nos catéchistes, sur chacun des membres de cette assemblée. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, Saint-Pierre, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute l'heure et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, en nous tenant la main, nous osons dire. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Celui par ta miséricorde seront libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve.
Nous qui attendons que se réalise de bienheureuse espérance l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui Dieu cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, pour qu'il vive et règne pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti de son tombeau, libre et vainqueur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur.
Il est sorti du tombeau livré vainqueur. Aux genoux fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Dieu. Que la grâce du Saint Pascal, Seigneur, nous t'en prions, surapprend dans nos cœurs, puisque tu nous as mis sur le chemin du salut éternel, en nous dit que tes bienfaits, par le Christ notre Seigneur. Nous avons prié avec ferveur pour les travaux de notre paroisse. Et je nous invite à un copie un peu de la résurrection, qu'à la sortie de la messe, que personne ne prenne sa voiture pour partir, plutôt puisse faire un tour vers le presbytère pour regarder vos efforts. Et je voudrais que, en regardant ce sport, le curé et moi, nous puissions venir là pour prendre le panier et accueillir vos efforts encore. La paix du Christ. Amen. Oh!
nombreux frères et sœurs que le Seigneur vient de nous donner de par le bain de l'eau et de l'Esprit Saint. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur est avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes devenu ressuscité. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia. Alléluia. À tous.